Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canamarac dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment nettoyer vos fichiers reçus et envoyés via WhatsApp afin d'augmenter l'espace de stockage sur votre appareil Android. Les détails juste après la pause. Donc pour cela, on a besoin d'installer une application dite WhatsApp Cleaner. Donc, je l'ai déjà installé, on va y accéder. Voilà l'interface. Premièrement, il faut autoriser l'application à accéder aux photos et au contenu multimédia et diffusé sur votre appareil. On va toucher autoriser. Et voilà, on a ici image. Et devant image, on a le poids. 5,45 MB pour ma part. Vous pouvez explorer. Ici, on a audio. Pour audio, j'ai 291,65 kg. Ici, on a vidéo, 96,30 MB. Photo de profil, donc. Fond d'écran, même les fonds d'écran. Note vocale, on a ici 113,59 kB. Vous pouvez donc explorer. Si on touche par exemple explorer, on va voir ici tous les photos concernées. Alors, quand on utilise beaucoup l'application WhatsApp, on aura bien sûr ces fichiers qui s'enregistrent sur la carte interne dans notre téléphone. Soit les images, soit les vidéos, soit l'audio, soit les autres documents. Ce qui va encombrer l'espace de stockage sur notre téléphone et par conséquent, il va réduire les performances de bon fonctionnement de l'appareil. Donc, il est de temps en temps, il faut nettoyer, ça veut dire supprimer ces images, donc ces fichiers, soit que vous avez reçu ou envoyé via l'application WhatsApp. Alors, pour supprimer, par exemple, les images, c'est très simple. Il suffit de toucher ici. Puis, vous allez toucher ici le signe de la corbeille. Il a effacé le dossier d'images. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer tous les fichiers d'images? Vous allez confirmer avec OK. Et voilà donc, les images ont été effacées, supprimées dans mon téléphone. Même chose pour vidéo par exemple. On va toucher la corbeille, on va confirmer avec OK. Même chose pour audio. Donc on touche ici, puis on touche la corbeille. OK. Vous pouvez ici soit supprimer tous, ça veut dire tous les fichiers ou que les fichiers dupliqués. Donc, photo de profil, je ne veux pas, j'ai pas de fond d'écran et aussi j'ai ici donc les notes vocales. Même chose, je touche le signe de la corbeille, je confirme avec OK et voilà, donc j'ai supprimé les notes vocales. Comme vous avez remarqué, on a supprimé des fichiers qui occupaient l'espace de stockage sur notre appareil. Maintenant, si vous utilisez beaucoup WhatsApp, vous allez trouver ici des quantités énormes et après le nettoyage, vous allez remarquer la différence entre les performances de votre appareil avant et après le nettoyage. Le lien pour installer cette application, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. À la prochaine fois.